Salut les amis, aujourd'hui je fais cette petite vidéo très très courte avec un petit fond, je sais pas encore ce que je vais mettre. Peut-être un garage, peut-être un jeu en arrière-plan, mais ou une de mes anciennes vidéos, je sais pas. Ou peut-être l'une de mes plus regardées, je sais pas encore, je verrai bien. Mais c'était juste pour vous dire. Pour ceux qui surtout qui ne sont pas abonnés, qui verront cette vidéo parce que ce sera une vidéo annonce, bande annonce. Donc voilà, j'ai fait une petite pause de 2 semaines, voilà, pour histoire de m'habituer à mon nouveau logiciel et en plus de pouvoir, voilà, en gros de m'habituer au nouveau logiciel que j'ai et de pouvoir, m'habituer au nouveau logiciel et puis pouvoir faire une petite pause. Tout ce qu'il y a de plus simple, parce que là c'est vrai que j'avais besoin de décompresser un peu, pas par rapport à vous, franchement j'adore faire les vidéos, c'est vraiment sans sas, c'est une expérience qu'on est limite pour moi obligé de vivre, obligé de faire, de construire, parce que c'est quelque chose d'unique, c'est quelque chose, j'ai pas les mots qui viennent là, mais c'est tellement extraordinaire de faire une vidéo sur YouTube, c'est tellement jouissif parfois. En fait, quand on dit surtout n'importe quoi, c'est vraiment jouissif de dire ça et puis de le publier à vrai sur Facebook, c'est vraiment jouissif. Mais bon, restons sérieux. Je vais continuer à faire des vidéos, test, pas test, voire vraiment même à arrêter, à commencer un peu plus vers, à passer vers un autre type de jeu. Et un autre type de vidéo, pas de jeu. Les jeux resteront à peu près pareils, mais plutôt sortir du jeu vidéo et passer dans le real life. Donc par exemple faire des petites parodies de films en court métrage, des petits trucs comme ça, ça serait sympathique. Des parodies ou même faire des vrais films, des vrais petits courts métrages, ça serait vraiment très sympathique. D'ailleurs, j'avais pas remarqué que j'avais autant de cheveux que ça. Mais bon, je m'en sais plus tant que ça. Tant de cheveux que ça. Voilà, je couperai peut-être ça au montage, on verra. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et j'espère moi aussi, parce que franchement, j'en ai besoin en ce moment. C'est vrai que là, pour moi, c'est un peu rude. Le moment est un peu rude. Et ça se passe plus ou moins bien. Donc voilà. Donc je voulais vous souhaiter beaucoup de bonheur. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, il y a de grandes chances si vous regardez cette vidéo, que abonnez-vous. Hein. Je vous en empêche pas. Il n'y a aucune obligation parce que je ne vais pas dire voilà, abonnez-vous. Je vous oblige à vous abonner. Non. Abonnez-vous si vraiment vous en avez envie. Si vraiment vous aimez mes vidéos. Et laissez un petit commentaire sur mes vidéos quand vous avez trouvé un petit défaut. Ou parce que des fois je les trouve moi-même, mais je la mets quand même parce que voilà, j'ai trouvé que c'était une trop bonne vidéo. Et puis j'ai pas vraiment envie de reperdre encore 3 ou 4 heures à faire un montage, etc., etc. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas, ça revient à peu près à la même chose. Donc voilà, je vous dis abonnez-vous, commentez là où les vidéos. Dans les prochaines semaines, je devrais revenir un peu, on va dire, je devrais revenir un peu avec du gros lourd. Ce que j'appelle du gros lourd, c'est Road Truck 2, qui est déjà revenu, on va dire, du Farming Simulator, qui va être là, parce que je sais pas quand c'est que je publierai cette vidéo, je sais pas quand je publierai l'autre. Donc on va dire que vendredi là qui vient de passer ou un vendredi, si vous ne regardez pas la vidéo le jour où j'ai publié cette vidéo, ben voilà, c'était vendredi 27 normalement, ouais, 27 mars, oui, mars. Et donc voilà, après c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées en tête, c'est pas bien facile avec le matos que j'ai. Parce que justement, c'est pas un matos mais pas fait pour faire un tournage hors pair, qu'on va dire, pour faire un tournage qui de film, de court métrage.
En termes d'audio, ce serait pas le top, mais je peux arriver à faire quelque chose. Donc je pense que on verra ce que je vais pouvoir faire. N'hésitez pas à me dire par exemple ce que vous pensez du système que je voudrais faire, des courts-métrages ou des parodies de films. N'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez. J'en tiendrai compte. Et j'essaierai de mettre ça en scène et tout pour pouvoir faire un truc assez joli. J'ai des trucs en tête, mais vraiment hardcore quoi. J'ai des trucs. On peut même pas s'imaginer. On peut même pas s'imaginer ce que ça peut donner. Donc voilà. Moi je vous dis clairement, franchement, j'adore faire des vidéos, je vais pas me priver parce que voilà, il y a deux cons qui aiment pas mes vidéos et tout. Surtout que franchement, j'ai eu 2-3 j'aime pas, 10 au total, 11. Je m'en fous, franchement. Moi c'est ce que je regarde, c'est les pouces verts. Donc bien, je regarde aussi les pouces rouges. On va dire que ça me choque pas. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, il y en a qui se sont des rageux, on va dire. Voilà. Mais au lieu de mettre un pouce rouge, mettez dans les commentaires ce qui va pas. C'est parce que moi, je vous dis clairement, je vais pas pouvoir faire des meilleures vidéos si je sais pas ce qui ne va pas. Voilà, c'est clair, précis. Si je ne sais pas ce qui va pas, je ne peux pas changer. Je peux rien faire. Je ne peux pas avancer. Voilà, c'est ça. C'est que si on ne me dit pas ce qui va pas, si on ne me dit pas ce qu'il faudrait que je change, je ne peux pas avancer. Et si je peux pas avancer, je reste au même niveau et je stagne et voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire d'un face commentary pour changer un peu, pour faire d'innover en gros, même si sur YouTube, la plupart des YouTubeurs sont déjà dans cet aspect. Face commentary en direct et tout. Moi je fais des trucs, c'est vrai que je suis peut-être un peu prétentieux quand je dis ça, mais j'essaie quand même d'innover, mais je pense qu'il y en a qui doivent le faire aussi, j'en suis pas sûr, j'ai pas encore vu ça. Quelqu'un qui se filme en dehors du jeu alors qu'il a déjà joué avant. Mais bon, je l'ai déjà fait dans 2-3 de mes vidéos, je crois. Même les paroles, quand je faisais pas encore de la facecam, je l'avais fait avant, auparavant. Donc, voilà, moi, après, c'est mon avis. C'est pas parce que vous aimez pas mes vidéos que moi, je vais m'arrêter. C'est tout. Donc, voilà, parce que moi, franchement, j'adore faire des vidéos. C'est le kiff. J'ai peut-être pas de matos à 2000-3000 euros, mais je trouve que je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. Et je vais continuer et j'ai envie de continuer. Donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo avec peut-être King Kong Simulator ou tout seul, j'en sais rien. Et peut-être l'Odyssée qui va revenir. Je vous l'ai déjà annoncé, je crois, dans le dernier hebdo du routier paru que l'Odyssée allait revenir. Et que voilà, en gros, ça va revenir et j'ai vraiment hâte de continuer à refaire des odyssées, des trucs comme ça. Donc vraiment, j'ai changé quelques trucs dans mon espèce d'emploi du temps, on va dire. Donc je vais vous le dire vite fait. Le lundi, ce sera les vidéos tests, donc avec tout ce qu'il y a eu, mais dans le futur. En gros, il y en aura d'autres, des nouvelles. Dans le futur, donc ça veut dire lundi prochain, peut-être lundi prochain ou lundi de la semaine prochaine. Après, car mécanique, j'ai abandonné parce que j'ai pas réussi à garder ma sauvegarde. Donc le mercredi, je vais mettre Euro Truck Simulator 2, donc les bloods du routier. Donc, bon, je m'énerve un peu là, je crie peut-être un petit peu trop fort, c'est peut-être la chose à ne pas faire. Mais donc voilà, le mercredi ce sera du Euro Truck avec soit un Odyssée, soit une présentation de mode, ça va pas bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me gratte un peu. Après, il y a
le vendredi, voilà, on revient au vendredi. En gros, je vais publier 3 vidéos par semaine. Parce que faut le temps que je tourne mes vidéos, surtout que le week-end, je ne fais quasiment rien. Je peux faire du montage, mais je peux pas tourner, ou presque pas. Donc, bah, pour raison personnelle encore, je vais pas vous rabâcher des trucs là-dessus. C'est que des raisons personnelles qui m'empêchent de faire des choses le week-end. Plus tard, quand j'aurai un travail, un peu d'argent, que je serai chez moi et tout, je ferai aussi des vidéos le week-end, peut-être des lives tous les soirs, ou presque. Voilà, on verra. On s'arrangera, on fera des trucs quand j'aurai un PC, quand j'aurai un appart, quand j'aurai ce que j'ai besoin d'avoir. Je ferai des vidéos, peut-être pas tous les jours, mais tous les deux jours peut-être. Tous les trois jours, non, je crois pas tous les trois jours, faut peut-être abandonner. Mais donc voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, en gros, je vais m'y mettre à fond, un peu réduire la cadence quand même, mais à fond. En gros, ce que je vais faire, c'est un journée tournage, un journée publication. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, dans 2 semaines, normalement, j'ai la fibre optique. On va bien rire quand je vais pouvoir mettre mes vidéos en 5 minutes. Aïe, 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 ça, c'est bon. Bon, donc, c'est pas tout, mais là, on est parti. Je vous laisse ici, mais franchement, vous n'allez pas tarder à me revoir, je vous dis. Là, je suis chaud de night. Je suis à fond, j'ai mon logiciel, j'ai trouvé les failles. Ah, les failles, sans parler. J'ai trouvé comment fallait le mettre en place et tout. Donc, comment dire. Je vais vraiment m'y mettre à fond. Je vais vraiment déchirer l'asphalte. Bon, c'est pas le... En fait, ce que je dis toujours, c'est n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas d'asphalte sur Internet, c'est pas possible. Donc voilà, je vais déchirer la fibre. Non, je déconne, faut pas faire ça non plus. non, ce que je veux dire, c'est que là, en gros, vraiment, avec la fibre, déjà, je vais pouvoir vraiment progresser à fond. Parce que, voilà, la fibre, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, pour moi, va beaucoup changer ma vie. Je vais pouvoir faire des choses vachement plus rapidement. Télécharger des mods, par exemple, pour test 2 farming. Mettre mes vidéos en ligne, parce que mettre des vidéos d'un giga comme j'ai mis Road Truck la dernière fois, j'en ai eu pour une demi-journée quoi. Peu pas, elle faisait 1,5 giga, ouais. Donc voilà, après j'espère vraiment que les programmations du futur vous plairont. Je sais pas encore comment va se dérouler l'Odyssée, je n'ai pas encore réglé les petites choses qui vont faire le tout, en gros. Et donc voilà, mais j'espère que ça vous plaira, parce que franchement, je compte pas m'arrêter maintenant. Donc j'espère aussi que le fond vous plaît, je sais pas ce que j'ai mis encore, mais j'essaierai plus tard, quand j'aurai trouvé une image à mon image, à l'image de la chaîne, parce que c'est plus important. C'est le plus important, la chaîne, c'est le plus important. YouTube, c'est vraiment très important. Ça peut vraiment ouvrir des bonnes portes. Et aussi des mauvaises parfois, mais bon. Là, je pense pas. Hein. Non, je pense pas qu'on puisse ouvrir des mauvaises portes, mais plutôt des bonnes portes. Faut frapper aux bonnes portes. Faut vraiment ouvrir les bonnes portes. Faut vraiment se donner les moyens. Quand on fait des vidéos sur YouTube, faut se donner les moyens. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est un peu dur, mais j'essaye d'innover, de trouver des nouveaux trucs, des nouveaux logiciels, des nouveaux machins et tout ça. Mais à force de vous parler, en fait, ça va être hardcore. Mais là, va falloir que j'arrête parce que je suis déjà à 14 minutes. 14 minutes juste pour parler sans jouer, c'est waouh. C'est vrai que je remarque que par rapport à ce que je faisais à mes premières vidéos, à peu près comme celle que je vais mettre là derrière, d'ici quelques secondes, parce que là franchement, je vous dis clairement, celle qu'il y a derrière là, je vous rappelle pas ce que je disais à chaque fois, ce que je disais toutes les 10 secondes, je disais oui, abonnez-vous, mettez un favori, mettez un j'aime, mettez machin, mettez ceci, voilà, je demande pas ça, je l'ai demandé une fois dans la vidéo, voilà, c'est le minimum, tu demandes une fois, hop, c'est tout. Après, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit, je vous suppose, fait une supposition de faire quelque chose qui vous plairait. C'est, voilà. Donc voilà. Suggestion.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a mis en condition. Si toi tu regardes cette vidéo jusqu'ici déjà, parce que c'est déjà une bonne chose. Ah non, il n'y a pas de j'aime. Ah, il n'y a pas de j'aime. Donc mets un petit abonne-toi et après tu auras normalement, je crois, une notification à chaque fois que je publie une vidéo. Donc voilà, je crois, hein, parce que ça marche pas toujours. Ben, moi je sais que ça marche pas toujours quand certains des youtubeurs. Par contre, tu verras ma chaîne sur vidéo à regarder. Normalement, et des fois il y a ça dépend. Des fois, il y a des trucs avec les nouvelles vidéos que j'ai mis ou que l'un des chaînes à qui tu t'es abonné a mis une vidéo. Quoi. Voilà, je parle pas bien le français là, mais bon, je suis un peu. Allez, hop, on est reparti. Donc voilà, je vais vous laisser là, parce que 16 minutes, ça fait un petit peu long. Donc je vous dis à plus. Ciao!